Merci à Anthony qui a donné 10 €, merci beaucoup. Oh, merci beaucoup, Anthony. Pour ton emménagement, Link, et parce que vous me faites passer bonne soirée. Alors là, c'est long. Vous êtes juste délirant, sans jamais surjouer ou vanter des produits, à l'inverse de beaucoup d'autres sur YouTube, qui pourtant sont plus vus. Bonne continuation et faites un jeu RP à l'occasion. C'est là où vous m'avez fait le plus rire. Hier, je suis allé au supermarché. c'est pas vrai. N'hésite pas à mettre un pouce bleu ma couille. Alors on regarde Paul. Alors maintenant là, le duel va se faire entre Inferno ou Galactix, parce qu'ils ont pas le même level. Inferno, je crois qu'il est bon. Alors avoir joué une désolé fois pour Galactix. Ça se trouve il est pourri hein. Bah écoute. Enfin je dis ça mais je vais être pourri. Comment aussi. Attends bon, on va faire le fameux. Attends la technique de la pièce qui vont départager. Alors Inferno pile, Galactix face. Okay. Je lance, on retourne. Et c'est pile, c'était qui pile? C'était Inferno. Ok. Bon, désolé Galactix, mais la pièce a parlé. Désolé, la pièce elle a dit que t'étais une merde. Ah, et bim, prends-toi ça. Honnête by pièce. Ah. Ah. Oh yes. Il y a du bluff dans l'air. Hein. Oh yes. C'est 3 fois que ça le fait. Dis donc, une minute pour confirmer un match. Allez, allez. Attends, ils sont en train de chercher là. Ils confirment. Ouais, mais ça, il a, ça y est, c'est confirmé. Non, Monique, t'es sûr qu'on leur lance leur match? Non, Paul. Oh putain, tiens. Attends, ah, voilà. Monique, c'est bon. On a eu l'autorisation du boss. Oh, c'est en haut que ça se décide, tu sais. Reviens, reviens, cette pute. Petite saloperie, reviens là. Petite chose. Petit bout de chou. Espèce de petit enculé de petit bout de chou. Merci à Pierre qui a donné 5 €. Merci Pierre. Aujourd'hui, pas de blague. Aujourd'hui, 80 € pour n'avoir composté que 2 billets sur 3 de mon abonnement. J'envoie donc ce message d'amitié à la SNCF, dicta. Ouais, je connais ce délire, Pierre. Ah, Pierre, c'est une sale journée. Même s'il y a des abonnés au WAMKILL contrôleur. C'est chaud. Oui, c'est vrai qu'il y a des abonnés contrôleurs. Et ouais. On pourrait faire des petites fleurs. Hein. N'hésitez pas à le préciser à votre contrôleur. Tu le regardes, tu fais. Mais monsieur, tu connais l'inquiété. Mais s'il te plaît, quoi. Eh, tu pourras plus taper sur ton clavier. Ah, difficilement. Du coup, ton WAMKILL servira plus à rien. Oh merde, comment on va la faire? Attends. Il faut pas gâcher les WAMKILL, moi je suis pas d'accord. Ah ouais, avec ça. C'est ton WAMKILL de rageux quand même. Je sais pas, je pourrais genre faire semblant. Genre... Tu sais, tu frottes tes doigts sur les touches comme ça. Oh non, pas encore. Je fais une grande vague. Vas-y, 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 mon gars. Ah, mais 10 secondes. Ah ouais. Attends, mais tu vois, si t'avais le kit, t'aurais gagné quoi. Ça s'est joué à une seconde près. GA. GA. Oh. Oh. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh, l'action de l'année. Oh, cette putain d'action de l'année. T'as quoi? T'as fait un scope, c'est tout? Oh, home scope et sauve, je retourne, je tue le dernier, bim bam boum. Allez, mais de quoi c'est tout, espèce de gros prétentieux? Tu parles à qui? Reste en bas. Okay. Je parle au premier qui a 10 là. Ok, j'ai bien compris que t'étais un rappeur et que tu parlais trop vite. Mais j'ai rien vu donc. Oh là là, ils sont passés. Au terrain, on s'est chié dessus. Ouais, honnêtement, on s'est chié dessus. Ouais, mais moi je le dis, hein, j'ai pas honte. Et je parle de chiasse. Hein. Pas de. T'as déjà eu la gastro rouge, c'est la même. La même chose. Maximilien, il dit Pierre, je suis contrôleur, je te retrouverai. Je vais te retrouver. Tu as pas mangé ta prune. C'est pas fini. Merci à Axel qui a donné 5 €. Merci Axel. Merci à Judias pour la photo au Man Game Show. Lui au moins il est venu. Mais je croyais que c'était annulé. Ce matin il a dit que c'était annulé le Man non, Game Show. Non, c'est le deuxième jour que t'es annulé. Là, tu vois pourquoi on a bien fait de pas venir. Ouais, bah on a bien fait de pas y aller. Tiens, moi ils auraient pu quand même se protéger contre les inondations quoi. Enfin, je veux dire, c'est la moindre des choses. C'est le minimum. Enfin bon, apparemment tout le monde n'a pas. Apparemment tout le monde n'a pas de bon sens. Ouais. Je sais pas, moi dès que je vais quelque part, je me renseigne sur la protection. Déjà, j'amène des bottes. Bon, déjà, s'il y a des grosses flaques. Je suis pas fou, non? Enfin, je sais pas quoi. Je suis pas fou. Ah non! Ok, je vais lui montrer. Je savais pas qu'il était aussi avancé. Oui, sinon tu le verrais bien, ouais. Une grosse merde, bah oui. GG, Paul. Fais gaffe, c'est une AWAP. Ok. Je me retourne et je lui montre mon dos. Je suis un lâche.
Je décide de me retourner pour plus de sécurité. Saviez-vous une balle de sniper a moins de chances de tuer dans le dos? Mais meurs! C'est impressionnant ça! C'est impressionnant cette dernière! Ah ouais, bah regarde, je vais lui montrer ce que c'est d'être le dernier. Putain! Putain! Hey, peu... toi là-bas! Putain! Quelqu'un va tirer dessus. Oh merde! Ah, quelqu'un est passé! Putain, mais surtout ne le dis pas quoi! Là, j'ai... Putain! Mais je l'ai dit! Tu l'as dit bien trop! Mais tard. Tu l'as dit quand je suis mort! ouais, quand t'es mort, ouais, c'est ça que je dis! Putain! Gros rageux, putain de merde! Moi, je rageais jamais. Tu sais, maintenant je vis en appartement, je ne rage pas. Dites-moi un mot, s'il vous plaît! Please! Un mot! Ta mère! Ta mère! Yeah! C'est le principal, c'est que nos abonnés soient heureux. Peu importe les mots. Yes, bien, ouais. J'ai 4 HP là. Vas-y, Casta, vas-y, dis-le, Casta. J'ai rien dit, la vérité. Ta vérité, frère. Paul, j'ai toujours su qu'il décevait, regardez bien. Oh là 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 là. En plus, il insulte les autres. Le mec, il ne s'arrête pas à être un mauvais joueur. Il est aussi irrespectueux, quoi. Merci à Aymeric, qui a gagné 5€. Merci, Aymeric. Aymeric, ouais. Je vais inviter une amie au restaurant demain midi, que me conseillez-vous? Oh putain, c'est pas la première fois qu'on nous demande un truc comme ça. Je sais pas pourquoi, parce qu'on n'a pas l'air spécifiquement doué. Prends de la sélection. Voilà. Tu pourrais l'emmener au grec, par exemple. Mais alors attention, tu prends la formule avec Canette. Ouais, ça marche à chaque fois, c'est-à-dire que t'es riche. Ça, l'impressionner. Ça veut dire que t'es riche, ouais, c'est impressionnant. Ouais. Et surtout, t'hésites pas à dire avec la balle de frites, chef. C'est toujours tu connais le mec. Depuis longtemps. Et avant de partir, tu ne te donnes surtout pas d'argent. Tu dis mets-le sur mon compte, chef. Et tu ignores sa réponse. Tu t'en vas. Et tu ne reviens jamais. Sinon, le chef va te retrouver. C'est lui, chef, ne l'oublie pas. Moi, j'avoue que c'était. Ah, yes, yes. Ah, shit. Yes. Il est mort de rire. Ah, shit. Excellent. Shit. Merci à Florian qui a donné 5€. Merci, Florian. Salut les petits gars, ceci est mon premier don ever sur un stream Twitch. Ça doit vouloir dire que je vous aime bien, je crois. Bon dépucelage. Kiffe bien. C'est bon, hein. Ça a l'air. Oh putain, bon d'accord, c'est bon, je peux pas enchaîner après ça. C'est trop. D'ailleurs, Terra, tu peux venir sur Paris début octobre? Oui. Juste comme ça, hein, pour aller boire une bière. Ouais, voilà, c'est ça bizarre qu'on propose ici. Non, c'est parce qu'il y a Gilles Diaz qui vient à Paris Manga, du coup, il faut qu'on en profite pour voir tout ça. Ah oui, mais j'aime pas la Paris Manga, je crois. Mais on s'en fout. Attends, je vérifie dans mon calepin de ce que j'aime ou j'aime pas. Pas de Nightbot, pas de compote. Écoute, ça pourrait fonctionner. Parce que moi, personnellement, j'ai jamais compris, genre, pas de bras, pas de chocolat, j'ai jamais compris ça vient d'où. J'ai jamais compris pourquoi c'était drôle, d'ailleurs. C'est que ça doit venir d'un truc drôle, de base. Ouais. Mais je sais que ça vient pas d'intouchable, puisque d'intouchable, c'est que ça vient de quelque chose. Ouais. Et alors, du coup, ça vient d'où, à la base? Ça vient oh, d'une... putain, le pic d'Inferno. Ça vient d'où? Ça vient d'une pub. Mais le truc, c'est... Alors, explique-moi le contexte, parce que je ne comprends toujours pas la phrase, en fait. Pourquoi... Bah, y a un enfant handicapé qui a plus de bras. Ouais. Et du coup, on lui propose un chocolat, et du coup, l'autre enfant qui possède les Kinder Chocolat, je lui réponds non. Si, tu vois, si. Tu n'as pas de bras, fils de chien. Si c'était ça, ce serait vraiment drôle. Bah oui. Mais malheureusement, je pense que c'est pas ça. C'est la pub cruelle. Pas de chocolat, puisque t'es un enculé d'handicapé. Eh, c'est l'handicapé, t'as déjà dépassé des parkings, tu veux en plus mon chocolat? On n'a jamais créé un MySpace ou un Kill? Je ne crois pas. On a fait un Skyblog. On n'a pas fait toutes les plateformes possibles. On aurait pu faire un MSN pour parler avec les abonnés. On aurait fait les ça FAQ. Existe encore ou pas? On aurait fait les FAQ sur MSN. Non, je crois pas, ça te ramène sur Skype. Je suis dégoûté qu'ils aient pas mis des whiz sur Skype. Quelle horreur. C'est vraiment des putes. C'est vrai que c'était chiant quand j'étais gamin. Quand j'étais gamin. On avait les whiz. Quand j'étais gamin. Quand j'étais gamin. On partait au téléphone. On est parti manger. Au téléphone ou parti manger, c'était jamais vrai. Si t'étais un vrai, t'avais ton pseudo en couleur.
Si t'étais encore plus vrai, tu l'avais en dégradé. Si t'étais un vrai, il y avait ta musique démarquée dans la description. Si t'étais un vrai, tu oubliais de le désactiver quand tu regardais un film de boule. Ce que t'es arrivé à... Je sais plus qui... Je sais plus qui. Non, je sais que c'est arrivé à quelqu'un sur la scène qu'on connaissait tous les deux. Oui. Je sais plus qui c'est. Comme quoi, déjà, à l'époque... Allez, à l'époque... À l'époque, il n'y avait pas tout le streaming actuel. Hein. Oh, on aurait pu l'afficher. Gamin, tu devais le télécharger. T'étais gamin, ça prenait longtemps. Quand t'étais gamin, fallait tout prévoir. Fallait prévoir deux bonnes heures. Si tu voulais être dans de bonnes conditions. C'est vrai, c'était ça quoi. Ah, je suis bien installé, j'ai bien. Ils sont tous axés, il y en a un. Ah, voilà, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai allumé des bougies le temps qu'il y a le téléchargement. Les bougies, des serviettes chaudes. Tu sais, on dirait vite que tu vas mettre une petite serviette autour de ton cou avant de manger. Ah. Ça, c'est juste au cas où ça partirait n'importe où. Je me mettais sur une grande bâche. Oh, je me connais. Ça l'apprendra à faire son malin. Est-ce que toi aussi, il y a quelqu'un de ta famille plutôt âgé qui parle en millions de centimes? En ancien franc? En millions de centimes. Ah non, bah, millions de centimes, non, par contre... Ma mère, des fois, elle parle en millions de centimes. Oh putain, à quel âge? Pardon. Bah, 60 ans, mais je sais pas pourquoi. Ouais, mais c'est... Ouais, c'est chaud, millions de centimes, j'ai jamais entendu. Mais c'est la seule, je me demandais si quelqu'un d'autre connaissait quelqu'un qui parlait en millions de centimes. Et ça fait combien? Ça fait combien, un million de centimes? Je sais pas, genre des fois, tu vois, elle me dit combien elle a acheté la maison, et elle me parle en millions de centimes. Alors ça se trouve, c'est des millions de centimes de francs, c'est encore pire. Ça me donne l'idée de quelqu'un qui donne un centime par un centime pour acheter la maison. Voilà, voilà. Voilà, attendez, d'abord rester là. Attendez, ouais, il m'en reste un peu. Attendez, j'ai un brin de monnaie dans mon portefeuille. Vous auriez la monnaie sur un million de centimes. Nice lock. Solidité. Nice lock. J'appelle ça la fiabilité, c'est la plus grande de mes qualités. Ça a sonné plus publicité que ce que je pensais. Vantardise. Vantardise by Link. Je m'en asperge tous les matins avant d'aller au travail. Une goutte de vantardise suffit. Ainsi, toute la journée, j'ai une grande confiance en moi. Mon jeu est pas assez fort, j'entends pas grand chose. Effectivement. Le commentaire de circonstance. 1 million de centimes égale 10 000 euros. Sérieux? Ah ouais? Autant? Ah mais attends, est-ce que c'est le calcul en euros? Donc ouais, donc c'est 1 million de centimes d'euros. J'aimerais bien avoir 1 million de centimes. Moi j'aimerais bien avoir 1 million de centimes de francs. Ah ouais, grave. Ça se trouve, tu peux juste acheter un BMX neuf. Un BMX? C'est ta référence pour les prix? C'est quelque chose qui est cher, mais pas trop. Attends, fais gaffe, avec tout cet argent, tu pourrais quand même avoir un BMX 9. Et après, il y a un don qui est particulier, qui me fait peur et qui en même temps me met en joie. Je ne sais pas comment le traiter, celui-là. Ça dépend de la provenance. Je sais pas quel ton de voix employer, quel... Si tu vois que c'est une personne âgée, c'est que généralement, c'est le petit Enzo qui a... Si tu vois que c'est la petite Véronique. C'est un prénom bien vieux, c'est la Gisèle, tu vois. Merci à la petite Gisèle, 8 ans, qui a donné 250 000 euros. C'est très sympa de ta part d'avoir regroupé tout ton argent en poche. Corentin, qui a donné 3 euros. Merci Coco. Mon grand-père parle en millions de centimes de francs aussi. Il dit des sommes astronomiques qui ne correspondent à rien. J'imagine le papy, tu sais, il parle de rien et juste il dit ça fait au moins 38 milliards de centimes de francs. Personne le comprend. Bon bah il était devant Blue. Il était au moins à 38 millions de millimètres de toi. Attention, il est à peu près à 10 000 millimètres de ta position. Il s'approche à une vitesse de 100 nœuds. Je suis en retard, il me reste 18 millions de secondes. Ah, Enzo qui a donné 4 euros. Merci Enzo. Le petit Enzo t'emmerde. J'ai une maison, une femme, deux voitures et des nains de jardin. J'ai pas fait exprès de prendre ton prénom comme exemple. Oh putain, merde, ça la fout mal. Excuse-moi Enzo. Oh putain.
Le petit Enzo t'emmerde. L'ascension. Embrasse ton chapelet. L'ascension vers le ciel, comme dans les écrits. Excellent. Ah non, les portes du paradis sont fermées. C'est donc ça le paradis. C'est pas très propre. Évidemment qu'il aime Rocher. Qu'il aime Décale. Puisque tu nous refermes. Qu'est-ce que t'as, fils de pute. La violence, c'est le langage des faibles. Allez. Oh putain. L'agressivité, c'est pour les gens bêtes. Toi, tu dois vraiment être sacrément bête. Non, t'aurais dû dire, toi, t'es sacrément agressif. C'était dans ce sens-là, je me suis fait. Ouais. Ferme ta gueule, par contre, parce que t'as pas à me dire quelle blague faire. Eh, je fais les blagues que je veux, d'accord. Si je les trouve drôles, c'est le principal. Attention à l'échelle, quand même. Ah, ne te vois pas, ok. Accroupis-toi, quand même. Ah, tu fais tout ce que je dis, t'es trop mon chien. Fils de pute. Putain. Oh, tu vois, t'aurais dû. Oh. Pas de chance. Putain, je suis hyper... Pas de chance. Dis donc, c'est la fête à neuneu. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Que je suis neuneu. Je crois que c'est marrant à dire. Regarde pas plus. Bah, ça... Putain, pourquoi ils sont tous là? Ah, parce qu'ils ont rushé. Ou parce qu'ils ont un wallack. Comme par hasard. Trop chelou, quoi, leur move. Genre, les mecs, ils savent où on va. Non, mais STP. Nice. C'est bien, ça a 8-3, on va bien se faire niquer la gueule. Donc toi, c'est ta manière d'encourager l'équipe. Y'a que toi qui m'entends. C'est ta manière de m'encourager. Est-ce que c'est ta manière de m'aimer? Très bien. Est-ce que... Terra, est-ce que tu m'aimes? J'ai besoin de l'entendre. Tu me le dis pas assez souvent, je trouve. Pourtant, ça fait quoi, 7-8 ans qu'on est ensemble? En vrai. Tu sais combien de temps on est ensemble? Bon là, à peu près 2-3 heures. Attends, hein. Attends, faut que je compte avec mes doigts. 7, 8, 9, 21, 22, 23. Ça fait 9 ans. Ouais, c'est ce que j'aurais dit. Et pour les 10 ans, on fait un truc. Mais je veux dire, un petit truc en privé, un petit dîner, un petit film. C'est quelque chose, une petite bâche. On mange et on regarde un film sur une bâche. Avec les serviettes chaudes. Après, on voit ce qui arrive.